écrans qu'Internet pour montrer des réalisations de mosaïques. L'entreprise a démarré le 2 janvier 2007. Et le 2 janvier 2007, il y avait le site Internet qui était en ligne pour avoir une référence auprès des clients et que les clients puissent surtout me retrouver très facilement. On est dans le monde de l'image, on est absolument tenu d'avoir une représentation image sur la toile. Des Chinois, par exemple, peuvent très bien se connecter sur mon site et puis me contacter, ou des Canadiens, etc. 80% du produit se vend par Internet et pour vendre du produit à quelqu'un qui habite à 5 km, il faut passer par Internet. Et c'est pas uniquement pour le chanvre, maintenant c'est comme ça que ça fonctionne. Et sans Internet, je pense qu'aujourd'hui on en serait, enfin c'est même sûr, on n'en serait pas où on en est. Hein. Vous venez dans l'atelier ? Voilà l'endroit où je travaille en ce qui concerne la mosaïque. C'est vrai que ça peut paraître fastidieux, mais c'est une lente construction qui apporte beaucoup de plaisir. C'est d'être précis, d'aimer la coupe, découper, et puis de savoir assortir les couleurs, les matières. C'est comme ça ? Là, c'est parfait. C'est un matériau complètement nouveau et qu'on a développé ici dans le groupe Chanvre-Mellois avec un concept commercial nouveau également, où on fait que du circuit court, où on fait du zéro déchet puisque nos sacs sont consignés, où on a vraiment développé un esprit commercial qu'on dit un peu pompeusement, je l'avoue, mais commerce équitable local. 5 cm d'enduit isolant comme ça équivalent en efficacité à 10 cm de laine de verre aujourd'hui. Alors, je suis consultante dans les métiers de l'image. C'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant, pour définir un métier un peu multifacette, qui va du conseil aux PME et PMI de l'image sur leur stratégie marketing de développement, comme sur la veille juridique, en passant par fournir à des festivals, par exemple, de bandes dessinées, etc., des concepts innovants. Donc ben, voilà le cas typique d'un chantier à l'intérieur pro, donc avec la pose de faux plafond et puis avec la pose des cloisons en plaques de plâtre. Notre savoir-faire consiste à exécuter ce que l'architecte a pensé, a créé. Et nous, on est des exécutants en fait, on a un donneur d'ordre, c'est l'architecte. On est les premiers spectateurs en fait. C'est un matériau complètement nouveau. La pose de faux plafond. Outil internet. Moi, j'ai bénéficié auprès de la région de deux systèmes, ce qu'ils appellent la bourse tremplin, qui était pour lancer l'entreprise, aider le créateur, et d'une participation de 500 euros pour la création du site internet. C'est-à-dire que c'est lors d'une réunion où j'ai su que la région Poitou-Charentes permettait à des producteurs de se former pour créer un site internet. Se décider pour un site internet, c'est quand même une démarche importante. Qui fait partie en fait des dépenses en capital non négligeables. Le coup de pouce de la part de la région nous a permis justement d'alléger notre charge financière. Quand on démarre une entreprise, toute subvention est bonne à prendre. Il faut aider ses créateurs parce que c'est vrai qu'on ne sait pas où taper réellement quand on démarre l'entreprise. Moi, j'avais bénéficié de plusieurs soutiens, mais surtout j'avais été voir le train des créateurs d'entreprise. Et qui avait été pour moi révélateur de plein de pistes où aller chercher des informations. Je me suis renseignée sur les différentes aides qui peuvent être apportées à la création d'activités. Il se trouve que la région Poitou-Charentes est quand même très bien placée et aide énormément la création d'entreprises. Et très clairement, s'il n'y avait pas tout le dispositif actuel sur le territoire, je n'aurais pas pu monter ma société. D'autant plus qu'on a donc la possibilité d'obtenir un chèque TIC, comme on appelle ça, pour nous aider quand on monte notre société à utiliser, créer les outils internet dont on va avoir besoin. Aimer la coupe. Le chanvre intérieur pro. Découper. Innovant. Je suis bien contente d'en avoir profité parce que c'est quand même grâce à ces aides-là qu'aujourd'hui j'existe en tant que société. Nous avons eu des retours très très positifs de la part de clients qui sont allés sur le site et qui nous ont permis d'ailleurs d'avoir des contrats sur ces chantiers.
Quand il disait 80%, c'est plus que ça. On est 90%, pas loin, ce rayon de 100 km. Mais ça peut aller jusqu'en Lituanie, Suisse, Belgique, Allemagne. On a eu des clients aussi. On a des gens qui sont venus faire les stages aussi d'étrangers. C'est un avantage indéniable. Et justement, cette dimension mondiale n'est pas du tout un frein au commerce local, parce qu'aujourd'hui, on a la preuve que ça fonctionne. Tout ça, c'est de la rapidité, mais c'est aussi de l'efficacité, puisque dans les pièces écrites, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on va avoir on va éditer que les pièces qui nous intéressent et non plus éditer les 70 pages du cahier technique. C'est une lente construction. En plaque de plaque, un matériau complètement nouveau.